Et bonjour à toutes et à tous, c'est Benjamin. Aujourd'hui, on va faire un petit run sur Returnal où on va essayer de terminer le premier monde. J'ai commencé à y jouer pas trop mal et là, je pense que je vais avoir le niveau nécessaire et suffisant pour finir le premier monde. Je passe la cinématique qu'on connaît déjà en fait. Hop, on sort. On sort d'ici et oh! Alors là, déjà, c'est plutôt assez généreux. Direct deux résines de Siphium. Et là, j'ai déjà trois éthers aussi pour acheter un nouvel objet. Plutôt cool. Et c'est créer une barrique immobile qui bloque les projectiles ennemis et renforce les projectiles alliés. Ça pourrait être très utile. Donc le but en fait, c'est vraiment pas se faire toucher, hein. On a encore deux ennemis qui sont au loin. Hop. Hop, on a déjà... Donc là, c'est quelque chose que j'ai appris, c'est que quand on a trois soins d'affilée, on augmente notre barre de vie de 25%. Donc ça c'est quand même très utile. Et il faut qu'on soit full life. Donc là c'est le cas. Et là vous allez voir en bas à gauche. Là on a encore augmenté. On peut essayer de descendre en bas. Parce que là ils sont assez généreux en barre de vie, en truc de vie là tout de suite. Donc c'est parfait. On a une salle secrète en bas à gauche. On a une salle secrète à droite, on a, il me semble que c'est une clé. Ici. Ouais, c'est une clé. Est-ce qu'on prend la salle secrète? On peut. Ah. Tout ça pour une clé. Ça vaut pas spécialement le coup, mais bon. C'est pas grave, on a deux clés, c'est déjà mieux que rien. Donc des fois les salles secrètes qui peuvent être vraiment des sacrés traquenards, hein. Donc finalement ah c'était directement en fait une salle optionnelle en fait à la droite. Et eh ben on va aller à la salle optionnelle d'abord. Le but c'est vraiment de ramasser un maximum de stuff avant de prendre le fight. Ah mais ça c'est du coup des éléments nocifs, on va pas le prendre tout de suite. On va pas le prendre tout court même. Pour le moment on n'a pas d'obsidie. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On n'a rien. Ah si, on a une traduction, terminée. Une myriade d'yeux emplis de désirs dans la lueur sombre du soleil sous la pluie torrentielle, nous devons partir pour le désert. Ah mais ça celui-là j'ai déjà lu en fait. Et là du coup j'ai un élément 150. Ramasser une résine vous confère un bouclier contre le prochain coup. Ça c'est cool. C'est une très bonne relique. Mais c'est quoi une résine? Ce qui s'appelle une résine. Par contre, c'est un très bon objet, ça. Parce que du coup, ça peut nous sauver. Parce que ce qui est très important aussi dans le jeu, c'est l'adrénaline. C'est l'adrénaline.
Et aussitôt qu'on a de l'adrénaline. Hop, on a un téléporteur ici. On a de l'éther. Et on a déjà des ennemis. Donc ces ennemis-là sont quand même pas très très durs. Hein. J'ai un ennemi pas très loin là. Adrénaline niveau 3, donc du coup mes attaques de mêlée qui sont avec l'épée sont renforcées en fait. Donc je vais essayer d'en faire un. Là on a le tir secondaire. Ouh là là, d'un peu mieux, j'ai allé faire le bait. Là on a de l'éther. Ok. Maîtrise d'armes amplifiée. Oh non. Je me suis fait toucher comme un bleu. Ah, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Tant pis. Bon, là, du coup, on a récupéré la totalité de notre vie. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ah, ça, ça augmente notre maîtrise d'armes. Donc, c'est très intéressant. On a deux chemins, donc à droite, en fait, c'est un raccourci pour aller au monde 2, qu'on n'a pas encore. On pourra seulement l'atteindre quand on aura atteint, quand on aura battu le premier boss. Ce qui est toujours pas mon cas, au bout de presque 5 heures de jeu, mine de rien. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit la carte. On a déjà 3 clés. Ah, et on a déjà la porte du boss qui est indiquée. Donc on va pas y aller maintenant. Parce qu'on n'a pas les éléments nécessaires. C'est une relique, donc quand on a des parasites ou des choses comme ça, ça nous confère des améliorations. Ah, il y a une tourelle là-bas. Adrénaline niveau 1. Donc l'adrénaline niveau 1, c'est quasiment ce qui est pas le mieux, mais au niveau de la recharge. Ouh là là, on se calme. Là on a des pièges. Hop, on augmente notre niveau d'armes. Bon, ces ennemis là ils sont ok hein. Niveau 2 ça nous permet de détecter les ennemis. Ah, augmente l'efficacité de réparation, augmente le délai de récupération du tir secondaire de 5 secondes. Non. Parce que le tir secondaire c'est quand même très fort. Hop. Maîtrise d'armes niveau 1. Vous savez quoi? Vous savez peut-être pas encore hein. Ça c'est le parasite, on va pas le prendre. Par contre on va aller déjà à la porte du boss, tout simplement pour déverrouiller un raccourci par la suite. Parce qu'il y a toujours un raccourci. Et là je vois qu'il y a des tourelles. Donc ça va être un truc assez pénible. Ah non, c'est pas des tourelles. C'est une traduction.
traduction terminée. Notre famille nous a interdit l'accès de la citadelle et a enfermé Priquet et les autres dans les caveaux. Mais cela ne les empêchera pas d'envoyer leurs signaux et de creuser dans nos esprits, transformant nos cauchemars en réalité. Ok. Ces ennemis-là, je les aime pas trop, honnêtement. Je m'en doutais que ça allait pas très bien se passer. Mais au moins, on a ouvert un raccourci. On va juste voir ce que c'est comme arme ici. À tous les coups, c'est un pistolet. Et voilà, c'est un pistolet, mais niveau 1. Il sera toujours meilleur. Il sera toujours meilleur que celui qu'on a. Mais c'est quand même pas extraordinaire, pour être franc. Alors. Paf! Où est-ce que je dois aller? Je pense que c'est... Alors, à gauche. Non! Oh, punaise! Mais non! Oh là 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 là! Catastrophe. J'ai perdu trop de vie. Et perdu trop de vie bêtement. En plus, il y a un coffre ici. Ricochet, obus explosif. Non, on va garder ça. Vous voyez qu'en fait le corps à corps est vraiment pété. Je me suis trompé. Oh non. Oh non, c'est pas possible. Je joue super mal. Je joue mal. Oh là là. Je vais mourir bêtement. Heureusement qu'il y a un grand psyllium. Ça me sauve les miches. Ça c'est très bien. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre ici?
On a un parasite. On a un parasite ici. On manque les chances de trouver des objets nocifs. Répare ou empêche un dysfonctionnement, puis se détache. Répare ou empêche un dysfonctionnement, puis se détache. Ah. Bah, écoute. Puis s'il se détache, pas très grave. Si ça empêche un dysfonctionnement derrière, c'est quand même très intéressant. Il y avait un truc. Ah non, mais il était dans l'eau. Il était dans l'eau, mais par contre, il y a un truc que j'ai pas pris là, non? Non? C'est où ça? Je suis dessus là? Non? Ah, mais attendez, il y a un truc en dessous là, non? Bah non. J'ai l'impression qu'il y a un secret en dessous. Oh mais non! Oh là là! Oh là là! Qu'est-ce que vous voulez y faire? Oh là là! Oh là 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 là! Bon, écoutez, on continue. Je fais que des bêtises. On est à 216. C'est plutôt cool. On a une salle secondaire ici. Qui nous sert à rien, malheureusement, celle-ci. On va juste la passer pour dire qu'on l'a vue, hein. Voilà, on l'a vu. Ça nous donne un raccourci. Et on poursuit notre aventure. Mais d'aventure en aventure, de train en train, de corps en corps. Jamais autant, je te le jure, je n'ai jamais su. Oublier ton corps. Et où nous sommes là? Oh merde, putain! Putain! Ah. Ah ouais, du coup c'est tout nocif. Oh putain, est-ce... Aïe aïe aïe, je joue très très mal pour le coup. Ça c'est cool. On a plein de trucs qui nous permet de réinitialiser notre arme. Donc là je peux pas y aller. Alors attendez. Il y a quelque chose que j'ai pas pris non plus. C'est au-dessus? Ah non, c'est un objet. Bon, je l'ai déjà.
Là, je peux pas grimper, malheureusement. Par contre, là, je peux y aller. Oh merde. Ok, adrénaline niveau 2. Yes, intégrité max. Réélevé. Ouf, c'était chaud. Malheureusement, après, je pense que ça ne sert à rien. Je peux pas aller plus haut là. Non, je ne peux pas. Tant pis. La maison. La maison, on ira à la fin si on fait un run pas trop mal. Tout simplement parce que la maison va me donner une seconde chance. C'est-à-dire que quand je vais mourir, je vais pouvoir réapparaître. Et on est à la boutique. On est à la boutique. On manque l'intégrité max de 25%, ce qui est très bien. Mais j'ai pas assez de thunes. Ah si ? Ah non, j'ai 268 ébonite. Donc, ça c'est très bien parce que ça répare une partie importante de vie pour 150, mais on va pas l'utiliser tout de suite. Permet une attaque de mêlée plus puissante. Et ça aussi c'est très bien. Relique de combinaison, ces deux-là sont très bien. Mais pour le moment, on n'a pas assez de thunes malheureusement. Oh non, je l'ai pas vu, oh non. What? 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 Mais non! Mais non. Je suis foutu. Mais il y en a combien là? Oh non! Oh mais non, je me suis fait complètement avoir là. Aïe 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 aïe. Ah, j'aurais pas le temps de faire un run, un autre run. J'aurais pas le temps de faire un autre run. On va voir, on va passer d'abord par là. Quoi ? La porte de boss, elle est déjà là ? Bah écoutez, parfait. On va la débloquer. Putain. Oh là 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 là. Remonter.
On va prendre un peu de risque, on va ouvrir le truc avec le dysfonctionnement. C'est rigolo. Ah! Pas de dysfonctionnement. Parfait. Et on a un objet. Plutôt cool. On est déjà dans une salle de boss là? Vous êtes sérieux? Abusé. Oh là là. Putain, c'est abusé. Ça se passe plutôt très bien. Wouah. Eh bien, ça s'est très bien passé. Une clé, donc. Répare ou empêche un dysfonctionnement puis se détache. Réduit l'efficacité de réparation de 30%. Écoutez, c'est pas trop mal. Paf, on augmente notre vie. What the hell? Stimulant d'armes. Ok. Ça, je me rappelle de ce truc. Là, je peux pas y aller, malheureusement. Par contre, j'ai un coffre. Putain, ça me fait peur à chaque fois, ça. Ah, ça, je dis oui. On va aller à gauche. À gauche, ici, il y a... Que glow, ça me sert à rien. Ça me sert à rien. Ça me sert à rien. Là, c'est une salle pour stepper. Ça me sert à rien. Ça me sert à rien.
cool là. Oh là là, j'ai perdu mon bonus. Oh là 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 là. J'ai oublié quoi? J'ai oublié la moula. J'ai pas pris la moula? Ah mais c'est d'être dans l'eau. Ouais, effectivement, c'est dans l'eau. Putain, je fais que des conneries. Mais non! Oh là là! Mais quel con! Carabine niveau 2. Ça, ces trucs, c'est quand même très intéressant. Simulant. Ah non! Oh non, on va pas prendre ça. On a quand même pas mal de moula là. Ouf! Ça, c'est très très bon. Ça, cet objet, c'est vraiment excellent. Ah mais il y a plein d'objets là. On a une salle secrète, on va peut-être pas la prendre tout de suite, la salle secrète. Là on a encore de la moula. Mais l'objet que j'ai ramassé, c'est peut-être l'un des meilleurs objets du jeu. Ça te rétablit le truc à 5. Vous savez quoi? On va essayer d'augmenter le niveau max. Le niveau max de ce truc. Où est-ce qu'il est le coffre? Je ne le vois point. Ah, il est là. Non, on va rester avec l'arme de niveau 2 pour le moment. Et on pourrait presque tenter le boss avec ça. Faut juste que je trouve la maison. Qui n'est pas dans cette pièce, bien sûr. On va voir ici s'il y a la maison. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Ça pue le traquenard. Moi, je pense que c'est un traquenard. Donc on va pas le faire. Beaucoup d'ennemis, j'arrive pas à les attirer malheureusement. Ah c'est bon. On a deux en moins, ça arrive par contre là. Adrénaline niveau 3.
Il me faudrait juste la poupée et après on peut aller le battre. Adrénaline niveau 4. Presque niveau 5 hein. On est presque niveau 5. Allez, on descend, tant pis, fuck. Dégage toi. Il y a un coffre. Pistolet, non, on le garde. Ok. On augmente encore la combi. Une clé. Faudrait que je sois niveau 2. Oh, la maison! Parfait! Eh bah écoutez, c'est nickel. On va pouvoir faire le boss tout de suite. On va faire la maison pour la toute première fois, les amis. Et après, on se dirige au boss. Et là, je pense qu'on est bon. C'est impossible. J'ai consigné mes premières missions dans ce classeur, mais il est stocké dans les archives du vaisseau mère. Ça date d'après mon départ. Pourquoi ? C'est assez stressant. Je vous cache pas, ces scènes-là sont un peu à la pitié et moi j'aime pas trop les jeux d'horreur donc. On va regarder par la fenêtre.
Et on a trophée, on a gagné un trophée. Bienvenue à la maison. Bah j'en sais rien mon ami. Je suis censé me souvenir de ça. Hop, et on prend une figurine. Est-ce qu'on a une boutique? Ah bah écoutez, c'est parfait. C'est parfait. Je me rappelle plus que j'avais un parasite. Donc qu'est-ce qu'on prend là? Ça, non, parce qu'on va garder ceci, ça sera beaucoup plus intéressant. Permet une attaque de mêlée plus puissante. Non. Augmente les dégâts des armes de 5% par niveau d'adrénaline. Ça pourrait être intéressant. Augmente la protection de 10%. Non, on va marquer. Augmente l'intégralité max de 25%. Et là, écoutez, on est pas mal pour le boss. Je pense qu'on peut presque le tenter maintenant. Et c'est ce que nous allons faire. Malheureusement, j'ai pas de... J'aurais aimé avoir un niveau de... maximal pour l'arme, et malheureusement ça sera pas le cas. On n'a qu'une arme niveau 1, mais écoutez, je pense que c'est le moment de le tester. J'adore cet effet. Paf. Donc là, on a un objet qui me redonne toute notre adrénaline. On a une arme de niveau 2, ce qui n'est pas sensationnel, mais... Et là, c'est parti. Je vous laisse la cinématique. Et là, on est parti pour 5 minutes d'endurance. Non-stop. Oh merde. Ah oui, mais c'est vrai que du coup, j'ai droit à deux touches.
Oh merde. Ok. Oh merde, bâtard. Aïe aïe aïe. Oh là là. Oh là 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 là. Oh là là. En live, les amis. Oh. Eh bien. Acquisition d'un nouveau mécanisme de. On l'a réussi. Celui-ci semble correspondre à un autre type d'appareil de translocation. Cube de données, capsule dénutrie, à déposer dans un appareil. Ok. Ça c'est un cube de données, on place à l'intérieur et ça va nous donner donc une nouvelle relique. Relique inconnue. Augmente la puissance vacillante des parasites attachés. 20%. Ok. Écoutez, c'est très bien. Et là ça me débarrasse de tous les parasites. Il me fait quoi ce parasite ? Je sais même plus. Ah, je crois qu'il empêche, réduit l'efficacité de réparation de 30%, c'est quand même pas terrible. Mais ça m'empêche un dysfonctionnement. Bon, écoutez. Et on va juste découvrir la nouvelle zone ensemble, parce que je pense que de toute manière je vais mourir. Quoi qu'il arrive. Oh putain! Chaque fois ça me fait le coup. Stargate SG1. La seule alternative. Je vais devoir explorer de l'autre côté. Et là ça commence à devenir intéressant. J'ai traversé le portail de téléportation. D'après les coordonnées du signal. Je suis de l'autre côté de la planète. Confère un emplacement de consommables supplémentaire. Ah, je peux avoir plusieurs consommables maintenant. Ça, c'est très bien. Ça, c'est très très bien. Et là, j'ai un module d'armes de 5. J'ai d'autres trucs. Il y a d'autres trucs à l'étage. Écoutez, c'est pas trop mal. Hein. Bon, on découvre la prochaine zone pendant 5 minutes et puis après. Je suis désormais dans un grand désert. Je détecte une autre énergie étrange depuis le sommet de la montagne. Je me dirige dans sa direction. Le désert. Journal de reconnaissance à trop. Je commence mon ascension à la montagne.
danger qui ramasser un objet vous inflige des dégâts, bah non. Comment ça se fait que mon parasite il s'est barré? Ah merde, mon parasite s'était déjà barré. Effectuer des éliminations de mêlée. Bon bah ça devrait faire. Quelque chose m'appelle au sommet. C'est le vénérable sommet. Ça se casse pas ça. Ça a pas l'air de se casser. Peut-être découvrir des nouveaux ennemis certainement. Un coffre. Ah ouais mais je peux pas. Putain. Ça me génère pas de dégâts. Non. C'est une clé nocive. On va pas la prendre, on va continuer tout droit. Enfin, c'est assez vaste, hein. Je vais le donner. Ah mais s'ils sont trop... S'ils sont trop trop bas, je pourrais pas le faire. Oh putain, mais niveau 5, bah oui mais... Ah oh merde. Eh bien écoutez les amis, on va arrêter ce live sur sur ce monstre. Mais au moins on a progressé. On a progressé, on a tué donc le premier boss. Et ça c'est cool. Et ça c'est même très très cool. On va pouvoir explorer un petit peu le monde 2. Sur ce, je vous dis à très bientôt les amis. Ciao ciao pour de nouvelles aventures sur Returnal. Bibi.